bonne affaire. Et Nantes, Nantes que nous allons revoir battre Valence seulement par 2-1, car le score aurait dû être plus sévère. Un coup franc de Michel, on croit que Baroncelli a marqué, or c'est Arias qui a marqué contre son camp. 1-0 pour les Nantais, qui concéderont l'égalisation à ce phénomène du but qu'est Mario Kempes, l'Argentin, mais qui auront les ressources nerveuses pour marquer à 10 minutes de la fin un but qui finalement vaut de l'or sur ce centre de Bossis transformé par Bruno Baroncelli. Les Nantais iront à Valence avec un but d'avance.